tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 2 novembre et il est, je crois, 18 h, quelque chose comme ça. Je tourne la vidéo assez tard, donc désolé pour la lumière puisque là il fait nuit dehors, donc maintenant il faut allumer, mais je pense que la lumière sera bonne. Apparemment, là ça a l'air d'aller. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc j'ai décidé de me faire une petite pack à colorier pour le mois de novembre. Chose que d'habitude je ne fais pas. J'essaye de colorier selon mes envies et dans les livres que j'ai envie sur le moment. Mais je me suis dit peut-être pourquoi pas se mettre un petit objectif pour justement avancer. Donc je préviens que dans cette pack, il n'y aura pas de colo sur le thème de Noël ou Halloween ou tout ce que vous voulez. C'est des colos classiques en général Disney. Je dis bien en général. Je crois que oui, c'est tout du Disney. Je ne fais pas de colo, disons, de Noël ou d'Halloween parce que ben, j'en ai pas de tête, comme ça j'en ai pas, du coup ben, je peux pas en faire, voilà, et je vais pas ce mois-ci acheter exprès des livres de pour bon, Halloween c'est passé, mais Noël je ne pense pas pouvoir acquérir un livre avant Noël sur ce thème. Donc on va commencer. Alors dans un premier temps, j'ai choisi donc d'avancer toujours sur le tome 1 puisque j'avais objectif, alors au début de le finir, mais là ça va pas être possible. Mais je vais essayer avant la fin de l'année de me rapprocher des 50 colos, les 50 premiers colos. Alors je vous cache pas, il m'en reste pas mal, je crois qu'il m'en reste 20 ou 21, mais j'essaye d'avancer au max. Si je ne termine pas, c'est pas grave, mais je vais quand même essayer. Donc je le fais en trio avec Erika et Sabrina. On essaie d'avancer toutes les trois ce livre. Donc en ce moment je suis à la page, alors je vais pas vous montrer parce que je ne sais pas si. Donc je suis à la page 38. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai l'avancée de ce livre, puisque j'en ai fait quand même quelques-uns le mois dernier. Donc en premier lieu, il y aura celui-ci. Je ne choisis pareil, je ne choisis pas les colos avant. Je me laisse le choix de les choisir au moment venu. Déjà, je choisis les livres et je verrai sur place. J'ai décidé d'aller dans celui-ci aussi, parce que je ne l'ai pas commencé. J'en ai fait aucun. Il est vraiment beau et j'ai vraiment envie de le commencer. Donc par contre, dans celui-ci, je pense que je ferai un en ton de noir et gris. Voilà. Donc c'est dans les premiers. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma palle celui-ci. Pareil, c'est un livre que je n'ai pas commencé. Donc j'ai encore le choix de choisir ce que j'ai envie. Par contre, il y a deux codes couleurs. Voilà. Donc je verrai si je prends le en bas ou en haut. Mais j'avais presque dit que je voulais racheter un deuxième livre et un faire avec les couleurs du haut et un avec les couleurs du bas. C'est un livre qui coûte dans les 6 ou 7 euros. Donc c'est pas très cher. Donc je verrai pour me procurer un autre livre pour faire les deux versions. Ensuite, donc j'essaye de varier les styles de colo. Là, c'est un cercle magique. Celui-ci, je l'ai commencé, mais j'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire une. Oh, j'en ai fait qu'un? Non. Un, deux, trois. Trois. Peut-être quatre. Alors, trois.
3, 4. Oui, 4. Donc voilà, il faut aussi que je l'avance. Ensuite, je vais aller dans un pixel. Donc j'ai choisi le Mickey. J'adore ce livre. Les couleurs sont super belles. Par contre, là, j'en ai fait un peu plus. Je vous montre par exemple une double page que j'ai faite. Voilà. Donc celui-ci, j'ai très envie de retourner dedans. Ensuite, j'ai décidé de prendre un hors mystère quand même. Je vais aller dans Bébé Animaux parce que c'est un livre que je n'ai pas commencé non plus. Donc voilà, il faut quand même que j'aille un peu dedans. Ensuite, je vais aller dans ce livre Coloria Mandala Mystère que j'adore. J'adore ces livres-là. Ils sont top. La qualité du papier est top. C'est que recto. Donc, vous pouvez aller 100% avec des feutres à alcool. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais en général. Je le fais que au feutre à alcool. Voilà, celui-là, j'en ai déjà fait aussi pas mal puisque c'est quand même un de mes livres préférés. En plus, c'est sans prise de tête. Vous choisissez vos 4-5 couleurs, comme par exemple celui-ci. Et après, vous êtes tranquille, vous coloriez. Et là, j'en suis à la page 15. D'ailleurs, que j'ai commencé un tout petit peu, je n'avais pas vu. 15. Donc, celui-ci... Et nous allons arriver au dernier. Donc j'ai choisi celui-ci puisque quand j'ai rangé mes livres tout à l'heure, j'ai un petit peu fait le tour. J'ai remarqué que j'avais un colo de commencer dedans. Donc j'aime pas trop commencer les colos et les laisser en plan. Et donc je vais le terminer. Je vais en profiter de le terminer ce mois-ci. Je vous le montre. Donc celui-là est déjà prédéfini. Donc, c'était celui-ci. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait juste l'oiseau, le noir et les yeux et le chapeau. Donc, je le continuerai. Comme ça me fera un colo du mois de novembre. Voilà. Donc, il y a alors 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 et donc 8 colos. Donc je peux faire 8 colos dedans en sachant que dans le tome 1, je pense que j'en ferai plus que 1. Enfin, je vais essayer pour avancer au maximum. Donc si j'atteins cet objectif, ça sera déjà pas mal. Tout en sachant que je ne me mets pas la pression. Voilà, si j'ai pas fait les 8 colos, c'est pas dramatique, c'est pas grave, et je vous présenterai tout ça donc le mois, enfin début du mois prochain, voire j'en reprendrai la pile avec vous et on verra ce que j'ai fait au final. Voilà, donc je vous retrouve le mois prochain pour savoir effectivement ce que j'ai effectué dans ces livres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée puisqu'ici c'est le soir, enfin c'est la fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye!